Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser des feuilles de nougatine. Donc pour cela, on a besoin de fondant pâtissier, 300 g, de sirop de glucose, 200 g, de 25 g de beurre et d'amandes torréfiées. Donc on va commencer par réaliser notre base, donc avec le sirop de glucose. Donc on l'a légèrement passé au micro-ondes pour le rendre plus liquide. On y ajoute les 300 g de fondant pâtissier. Ensuite, on incorporera les amandes légèrement torréfiées. Voilà, notre caramel est prêt. On va y incorporer les amandes. Puis le beurre. Une fois que notre appareil est prêt, on va le coucher sur une feuille de style pâte. Voilà, et on va lui laisser prendre une forme et le laisser revenir à température. Donc vous voyez, on obtient une nougatine. On l'a un peu gassée pour pouvoir la rentrer dans notre bol. Et donc maintenant, vous voyez, hein. Voilà, on va la mettre dans notre bol Thermomix afin de la pulvériser et d'obtenir une fine poudre de nougatine. Donc voilà, regardez, on a bien notre pâte de nougatine. Et nous allons prendre la pâte, remplir des empreintes afin de former des fines feuilles de nougatine. Voilà, donc les empreintes ont été réalisées. On va pouvoir enfourner à 160 degrés jusqu'à l'obtention d'une légère coloration. Donc voilà, on a nos feuilles qui vont durcir en refroidissant. Donc les réserver. Vous pouvez ensuite monter vos millefeuilles avec les lamelles de nougatine.